espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant. Je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme. Mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une façon partielle. Mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité, ces trois choses. Et la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Aucun appel aux armes n'a jamais été refusé par un officier de Bunkerville de l'Académie. Dans la défense de notre pays et de ses principes, beaucoup de nos frères ont noblement et généreusement fait l'ultime sacrifice. En l'honneur de ces hommes, nous terminerons cette cérémonie de fin d'études comme nous terminons toutes les cérémonies ici par la lecture du livre du souvenir de notre école militaire. Cette lecture sera la dernière que nous ferons pour cette année. James Robert S., classe 60. Bataille de Pleiku. Tombé le 19 novembre 1967. Yancey Scott E., classe 45. Workshopville. Tombé le 26 avril 1953. Young Henry R., classe 38. Omaha Beach. Tombé le 6 juin 1944. Youngman Clarence M., classe 64, Playmate, tombé le 22 novembre 1967. Zimmerman James G., classe 12, bataille d'Argonne, tombé le 27 septembre 1918.